Nous avons décidé de tenir ce congrès dans le plus grand stade de notre pays pour donner un caractère grandiose et l'envol le plus grand qui soit à ce grand parti politique qu'est le RHDP. C'est donc dans ce stade qui porte merveilleusement bien l'illustre nom du président Félix Houphouët-Boigny que sera établi le 26 janvier 2019 l'acte de naissance du plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que c'est dans ce même stade, alors baptisé stade Géo-André, que le ministre d'État Félix Houphouët-Boigny avait le 7 septembre 1958 prononcé un discours mémorable à travers lequel il invita tous les partis politiques qui existaient à l'époque au rassemblement autour du PDCI RDA. C'est dans ce même élan et dans la même inspiration politique que s'inscrit ce congrès du 26 janvier au stade Félix Houphouët-Boigny, avec cette fois-ci le président Alassane Ouattara dans le rôle d'architecte en chef de ce rassemblement. Les gens ont vite fait de crier, non, la Cour suprême est aux ordres. Mais voyez que nous sommes certes au pouvoir, mais la Cour suprême a rendu un verdict, mais n'a pas dit que les élections vont être prises parce que le RHDP a tort. Si c'est cela qui est dans votre esprit, mais vous vous trompez. Ce sont des élections qu'on reprend parce que on pense qu'il y a eu des irrégularités. Vous devez saluer aussi l'esprit démocratique et l'esprit de paix du RHDP. Ailleurs, si on avait dit que bon, c'était les candidats d'un autre parti, mais vous allez voir, ils allaient se soulever. Mais au RHDP, nous avons décidé de ne pas nous soulever, de laisser les choses se faire et d'attendre le jour J pour aller à ces élections. Mais vous verrez bien qu'à ces élections-là, le RHDP va sortir vainqueur parce que nous avons foi en nos électeurs. Nous savons qu'ils ont porté des choix sur des candidats qu'ils aiment, sur des partis aussi qui sont dans leur cœur. Et au moment venu, vous allez bien le constater. Je vous ai dit que pour le moment, je suis membre du bureau politique. Mais le jour qu'on va mettre en place le parti unifié RHDP, mais je ne suis plus militant du PDCIRDA. Ça, vous devez le savoir. Le 26 janvier, une fois que les choses sont établies, moi, à Adjumani, tous mes bagages, je les prends et j'atterris au RHDP. Mais bien sûr, avec de lourds bagages au niveau du Zanzan, de partout. Un jour ou l'autre, je suis convaincu que le président Bédié reviendra dans cette maison commune qu'est le RHDP. Parce que c'est la voie du salut.